Yomina-san, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse aux trois derniers chapitres de My Hero Academia, donc chapitres 359, 360 et 361. Ouais. Donc, oui, bon, là on n'avait pas fait de critique au dernier chapitre. Oui, bah exactement, c'est pour ça qu'on a eu du retard. Là, donc on va pouvoir y revenir. Je sais pas où tu voulais que j'aille avec cette phrase, mais... Non mais c'est un peu, on a un peu vibré au rythme de One Piece, tu vois. Oui, voilà, il y a eu une longue pause, voilà, donc du coup on a pris une pause complète par rapport aux publications de la Shueisha. De la Shueisha. Ah ouais. Donc voilà. Il y avait aussi cause de vacances, il y avait autre chose à faire. Voilà. Non, je crois qu'il y a aussi ça. Non. Pour éviter de mes vacances. Hein. Non, c'est pas faux. Et puis, voilà. Donc bon, voilà. On va revenir brièvement sur ce qui s'est passé. De toute façon, en vrai, il s'est passé un seul vrai truc. Oui, on est toujours dans le combat face à Shigaraki. Shigaraki, donc face à Bakugo. Le Zeniste, et puis... Le Big Three. Monster Trio, c'est autre chose. Oui, c'est vrai. Le Big Three. C'est vrai. Bon, avec une très belle page couleur pour commencer. Ouais. Double page couleur avec tous nos protagonistes de My Hero Academia. Hein. La classe A, la classe B. Même le vilain aussi, c'est pas mal. Ouais, le vilain, certain prof. Non, c'est stylé. J'aime les tenues. J'aime ce que je vois, tu vois. Il y en a qui ont du flow de ouf, ouais, du flow de dingue. Puis je vois déjà les shippers se sont délectés, tu vois. Les deux là. Oui, non, mais là, oui. Hey, Giro, il a un flow assez. Assez LGBT, en fait. Ouais, non, mais. Tu exagères un peu. Non, mais le chip, je l'ai vu il y a longtemps, là, le chip avec Momo. Il dit, ouais. Non, en vrai, ça me dérangerait pas, tu vois. Ouais, si tu veux, mais pour le coup, je vois pas ça du tout. Moi, là-bas, je le vois pas comme ça, mais. Admettons, ça fait longtemps que je le vois. Je sais qu'en effet, il y a des gens que ça peut faire kiffer, ce genre de truc. Donc, moi, ça va pas de raison. S'il fallait en faire un là-dedans, ça serait les personnes d'autres. Quand on se voit forcer à je ne sais qui. En perso, j'ai jamais vu quoi que ce soit dans ces deux personnages, mais j'ai vu plein de trucs concernant les concernant. Il y avait vraiment tant d'interactions que ça. Bah oui. Quand t'as jamais capté que c'était sa meilleure, enfin un meilleur, enfin, pour moi j'ai toujours vu que c'était sa meilleure pote, mais t'as jamais capté... Ouais. T'es sérieux, t'es ? Ouais. Oui. Bon, je l'ai... Tu vois, on m'a jamais marqué, tu vois, perso, tu vois. Ah ouais. Leur relation m'a jamais marqué, tu vois. Ah ouais, à ce point-là. Y a jamais rien vu, j'ai jamais rien vu. À Momo, oui, avec Shoto, oui. Plus, là, oui, pour le coup, pour moi, pour moi, c'est clair. Là, ça veut dire que toi, t'as fait une fixette, parce qu'elle a beaucoup plus d'interactions avec Giro qu'avec Shoto. Ah oui, mais les interactions avec Shoto sont peut-être plus marquantes. Tu vois ce que je veux dire, entre leur team-up face à Aizawa, entre le moment où elle décide de suivre Shoto qui veut faire le rebelle pour aller sauver Bakugo. Non, pour moi, c'est genre elle veut suivre le groupe, mais oui. Elle veut suivre Shoto. Non, elle le dit. Ouais, elle le dit clairement. Elle le dit, je suivrai Shoto parce que je crois en son jugement, nanani, nanana. Ouais, mais bon. C'est bon. Moi, sinon, j'ai largement plus vu de trucs entre ces deux-là. Hein. C'est pas pour rien qu'elles sont là, main dans la main. Hein. Oh non, mais peut-être. Peut-être. Ouais, puis le petit chip, comment ça s'appelle comment elle s'appelle, déjà Mont Lady et Kamui Woods. Oui, mais là, pour le coup, ça c'est complètement officiel. Oui, non, mais voilà, non, mais bon. il est là, c'est marrant. On sait très bien que Kamui Woods. Non, allez, je vais pas faire de jeu de mots qui marcherait pas en français en plus. Voilà. Parce que je me disais, il va où? Parce que j'avais exactement le même truc en tête en anglais. Tu vois. Je me disais, mais comment il va tourner ça en français? C'est pas possible. Tu vois. Enfin, c'est pas possible, c'est possible, mais ça sonne pas aussi bien, tu vois. Ouais, frérot. Chapitre 359. Voilà, on est encore en dessous, enfin, dans les fonds de la forteresse volante, là. Mmh. Où toutes les troupes s'acharnent à...
à suivre la cadence, quoi. Absolument tout le monde, même les troupes là c'était quoi leur job à eux là? La filière commerciale ou je sais pas quoi. Oui, la filière commerciale. Ouais, bon, bref, en vrai, ils ont rien à foutre là, mais ils sont là pour filmer les événements, quoi. Donc, il n'y a pas pour montrer les événements à la société. Tout le monde est impliqué, tout le monde est impliqué, tout le monde a son rôle. Encore une fois, les grands héros, voilà, sont vus par la société parce qu'il y a quand même les médias pour les mettre en avant, tu vois. Bien sûr. Non, mais c'est bien de le mettre en avant, encore une fois. Parce que je ne vais pas partir dans certains trucs, mais voilà. Pas tout le monde qui le comprend quand ils adaptent. Bref. Ok, je comprends bien où tu voulais en venir. Bref, on repart sur mon GOAT. On repart sur mon GOAT, toujours face à Shigaraki. Ouais. En train de tout donner. Ah, mais putain, je me rappelais plus que c'était une telle intensité le bordel. Non, mais Bakugo c'est Bakugo maintenant. Oui, bien sûr. Il fait du sale. Voilà. En train de tout donner. Mais ce n'est pas assez. Ah, c'est pas assez. Ce n'est pas assez. On s'en doute bien. Ouais. On s'en doute bien. Aussi, il a atteint un niveau de puissance qui est juste démentiel. C'est ça. Donc forcément, Bakugo n'a pas la puissance nécessaire pour faire un front à lui tout seul, quoi. C'est ça. Mais ouais, les dégâts se font ressentir jusque dans les sous-sols, là. Et puis, tout le monde est un peu paniqué en mode, non, mais putain, il se contrôle pas le petit ou c'est comment? Et puis, bah, t'as Denki qui est là en train de dire, non, mais inquiétez pas. Ça beau être un bourrin, il sait quand même ce qu'il fait. Ouais. Bon, puis t'as l'autre, là, le copieur d'alter Mono. Monoma. Monoma, voilà, c'est ça. Je savais que ça commençait par Mono. Là, il arrive à ses limites, quand même, un peu. C'est compliqué. Hein. Et toute cette action-là de ne pas pouvoir fermer les yeux. Même si on lui hydrate les yeux, ça commence à faire beaucoup. Ah oui. Je sais pas depuis combien de temps il dure le combat, mais waouh. Wow. Compliqué, je comprends mieux. Non, puis ouais, Bakugo, il arrive au bout de ses il arrive à ses limites. Ouais. Là, il se fait quand même arracher la moitié droite du visage. Arracher. Non, mais arracher, oui, façon de parler. Voilà, doucement sur les propos. Ils ont bien blessé. Ouais, il est blessé. Il est blessé. Bon, il a un bras dans le côtard aussi, par exemple. Oui, oui. Par contre, son bras est plus que bien blessé. Son bras, il est bien pété. Au moins, il ne s'est pas fait arracher comme Endeavor. Tu vois. Puis il se le fait broyer, ah, quoi. Ouais. C'est. D'ailleurs, on le voit pas hurler. Hein. Eh. Bakugo. Eh. My boy! Souffre en silence! L'abnégation! Il souffre en silence! La détermination! Voilà. Les cris, ce sera pour plus tard, voilà, quand le combat sera terminé. Exactement. Ça créera pour dire, il me touche pas! Incroyable. Et. Mais bon, ouais, il y a Shigaraki qui admire quand même le tour de force. Quoi. Ouais. Bon, c'était quand même pas mal, mais. Mais c'est pas assez, mec. Clairement pas assez. Puis en plus, il lui fait du trash talk. Ouais, bah, non, mais ça, par contre, ouais, de ce qu'on a entendu, c'est que finalement, c'est pas Shigaraki, ça reste All For One aussi. C'est All For One qui parle encore. Puis on le sait, parce que suivant, pour le coup, il le dit clairement. C'est All For One qui parle. Bon, en attendant, il y a Best Girl, Bilko, qui essaye de prêter main forte, mais pareil, c'est toujours inutile. Ouais, non, ils arrivent pas à faire front, et pourtant il a ses haltères qui sont bloqués, quoi. Ouais. C'est ça qui est ouf, quand même. Il a ses haltères qui sont neutralisés, là, et pourtant ils arrivent toujours pas à le vaincre, quoi. Ouais. Là, il arrive à faire valdinguer tout le monde. Non, bah c'est rien. Ah, c'est le boss final, tout simplement. Ouais. C'est le boss final, donc il a ce niveau-là, c'est cool. Et puis, ouais. Et puis il dit. Petite phrase de trash talk. Ouais, il lui dit tout ce qui m'intéresse chez toi, c'est que tu es le meilleur ami d'Izuku Midoriya. Ouais. Bah, il lui dit même dans le chapitre suivant, il dit en gros, il faut te faire du sale parce que je sais que quand il va découvrir ton cadavre, il va péter les plombs, quoi. Bonne stratégie. bonne stratégie, on va pas se mentir. Ouais. Donc, bon, voilà. Après, bon. Après, sachant pas le fait qu'il pourrait mutiler n'importe qui, ce serait pareil pour Izuku. Arrivé là, s'il voit que Mirio il est mutilé comme je sais pas quoi. Oui, mais bon, Bakugo, on sait bien que Bakugo il y a un rapport particulier. Voilà. Après, Izuku va bien plus péter les plombs s'il voit le cadavre de Bakugo que s'il voit le cadavre de Mirio. Oui, bon, après il aurait pu faire pareil avec Ochako aussi. Non, mais d'accord, oui. C'est si on veut. Mais bon, Bakugo, c'est Bakugo. Ah oui, bien sûr, c'est son poteau depuis Day One. Et voilà. Même si ça a été à sens unique, voilà.
chiffre à sens unique. C'est plus compliqué que ça. Oui, bien sûr, mais à la base, c'était à sens unique. Oui. Ouais, l'autre, il idolâtrait pendant que l'autre, il dit, casse-toi. Voilà, mais bon, voilà, c'est quand même le gars qui connaît depuis la maternelle. Bien sûr, bien sûr. C'est ça qu'il a toujours idolâtré. Et bien sûr, et là, il... Cadavre. En plus, ils viennent plus ou moins de faire la paix. Oui, non, mais en plus... Se rapprocher et tout, puis au moment où ils se rapprochent, C'est justement quand Bakugo il s'était fait blesser là pendant la guerre là, qu'il s'était fait transpercer, qu'il s'était fait planter là, que Ikizuku il avait pété les plombs. Bah, il lui dit, il lui dit Shigaraki après dans les chapitres suivants, il lui dit. J'avais oublié. Il lui dit, il lui dit comme je viens de le lire, il lui dit la dernière fois, c'est vrai que la dernière fois où je t'ai fait ça, l'autre il a pété les plombs, c'est pour ça quand il va voir ton cadavre, j'ai hâte qu'il arrive quand il de voir comment il va réagir quand il va voir ton cadavre et tout. Ouais. Voilà. Bon, là, la situation est grave parce qu'il faut, secourir Katsuki. Là. Aizawa est inquiet. Aizawa, il est inquiet pour son, meilleur élève. Voilà. Enfin, deuxième meilleur élève. Pendant que Shigaraki s'avance vers lui. Enfin, All For One s'avance vers lui. Puis, bah, dans les décombres, on voit que Nejire et. Merde, comment il s'appelle déjà ? Sun Hitter, ouais. Voilà. Facilite-toi la vie. C'est vrai, je sais pas pourquoi il me complique la vie par exemple. Se prépare à aller secourir Bakugo, et ils sont rejoints par... Par le GOAT. Un autre GOAT. J'aurais dû sortir la veste même. Ah mec, qu'est-ce que t'as fait? J'aurais dû sortir la veste. Ah bah ouais, non, il était pas adapté aujourd'hui. Non, j'aurais dû sortir la veste. C'est vrai, il fait chaud par contre. Oui, c'est pour ça que j'ai pas eu ce genre de réflexe. Voilà, mais là, le retour de Mirio, le million. Qui vient pour... Dès que je vois ce personnage, je pense à son épisode emblématique. Là. Oui, tapé contre Overhaul. Il était trop dard. Sans alter. Il était trop dard. N'abandonnez pas. Pendant 5 minutes, il se tape. Il était trop dard. Avec la pose et tout. Mmh. À la fin, avec la petite derrière. Lourd. Bref. Bon, puis après, le chapitre suivant, du coup, on voit... Kugo se faire malmener. Il se fait vraiment manquer de respect. Ah ouais, non, mais l'autre, il le rafale de coups dans la gueule. Il le soulève avec ses orteils. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Il l'attrape par les cheveux, il le soulève. C'est là, vraiment, le manque de respect est ultime, quoi. C'est vraiment, j'utilise même plus mes mains pour te soulever, quoi. C'est... Et en plus, il continue à lui faire du trash talk. Ouais. Il lui dit, en fait, tu seras toujours rien de plus qu'une... En gros, comment il lui dit ça? Un parasite. Accroché. Un parasite accroché au basque d'Izuku Midoriya. Bon, bah alors là normalement, dans l'ego de Bakugo, ça doit faire mal. Parce qu'à la base, c'est ce qu'il pensait d'Izuku comparé à lui. Oui, parce que même si, ils se sont rapprochés, ils ont fait la paix. Maintenant, il a accepté le fait qu'Izuku était le digne successeur d'All Might, tout ça, d'accord. Mais là, que quelqu'un le dise ouvertement, en pleine face, après lui avoir botté le cul, après qu'il se soit rendu compte qu'il n'avait rien. Le boss final, quoi. Oui. Tu sais, il y a un côté un peu genre, je peux rien faire, quoi. Oui. Je peux rien faire pour sauver le monde, c'est vraiment Izuku qui doit venir pour régler le problème, quoi. Izuku, il avait raison. Il était là en train de leur dire, mais c'est pas votre fight. À la base, il leur disait, c'est pas votre fight. Vous ne pouvez rien faire contre lui. Déjà, lui, c'est chaud. Alors... Mais c'est pas votre faille, vous pouvez rien faire. On préfère y aller tout seul. Voilà, et puis... ouais. Bon. Bon, bref. Bon, l'intervention cloche de Nejire. Hein. Voilà, bon, oui, qui intervient quand même au moment où Bakugo allait crever. Hein, voilà, clairement. C'est ça. Donc voilà, donc elle intervient, Sun Hitter aussi, voilà, qui nous balance son méga hybride Octopus Mirage. Non, mais non, c'est stylé. Son pouvoir est vraiment stylé, très inventif, j'aime beaucoup l'idée. Ouais. Et il essaye d'empoisonner Shigaraki, ce qui n'a aucun effet, parce qu'en fait, Shigaraki, comme il dit, mon corps est capable de s'adapter à tout. Ouais. Voilà, le poison, maintenant, ça ne me fait plus rien. Voilà, rien à foutre. Bon, c'est assez... Ça, c'est un truc assez random de méchant, voilà. Oui, voilà, c'est ça, je suis pareil à toute éventualité. Voilà, mais un méchant, tous les méchants de ce level-là, dans tous les mangas possibles, ils sont immunisés à ce genre de conneries. Merdosa, sinon, oui, t'arrives avec un regard de poison. Ouais, fléché. Bon, bah, c'est bon, on a fini.
Voilà. Et après, du coup, Bon, voilà, voilà, l'intervention de. on voit vraiment Mirion, Les le millions. Les millions, million. Myriot. Je te jure, Les Myriot. je suis un mix, moi, Mirion. Le Myriot. Voilà, Mirio intervient, Pour sauver et il Bakugo. sauve Bakugo, et il Voilà. dit, bon, j'ai pas la puissance nécessaire pour repousser Shigaraki, mais par contre, ce que je peux faire, c'est être intangible Ouais. et diriger, Voilà, en les fait, les attaques attaques de de Nijiri. Nijiré vers Shigaraki. Donc, bon, c'est ce qu'il fait. De toute Logistique. façon, on voit bien que le Big Three se connaissent par cœur, hein, voilà, et c'est là qu'ils deviennent, du coup, intéressants face à C'est Shigaraki. ça. Et bon, bah voilà, du coup, après, s'ensuit une petite conversation entre Mirio et Shigaraki. Voilà. Voilà, et on En fait, voit. on continue à dire All for One parce que toujours pas Shigaraki en fait. Disons plutôt All for One, t'as raison. Après, c'est parce que c'est Mais parce que voilà, l'histoire de c'est la forme de Shigaraki. Shigaraki Donc, et bon, c'est compliqué, tu c'est vois. toujours All for One, quoi. Puis c'est aussi pour éviter pour éviter un peu aussi la confusion, Oui, tu mais vois. Comme All for One, il est de l'autre côté bah, ça là-bas change pas le avec fait qu'on est toujours Endeavor. confus. Vu que c'est toujours vu qu'après, voilà, Oui, il on est y a confus, encore une autre d'accord, mais personnalité qui bon. intervient, donc C'est on. toi pour qu'on se repère bien, quoi. Voilà. Dans le chapitre, où est-ce qu'on en est, voilà. Et donc voilà, donc en gros, Mirio dit à All for One ou Shigaraki, pourquoi tu fais tout ça? Et puis, du coup. Ouais, lui dit la société, nanani, La nanana. société, voilà, je veux changer le monde parce que la société est en échec. Et il dit, ah, ok, je vois, donc en fait, t'as aucun Ouais, ami. t'as pas de pote, quoi. Tu veux pas un curly, pardon? Et là, on voit Shigaraki toucher. Ah ouais. On le voit toucher, quoi. On le voit toucher, et puis Mirio, il dit, c'est la seule explication possible parce que sinon, tu saurais qu'il y a des trucs qu'il faut garder dans le monde, que tout ne mérite pas d'être changé. Et après, on va du côté du GOAT Voilà. Best Duelist. Alors que moi, j'appelle le GOAT depuis un moment, vous le savez. Hein. Il y a tellement de goûts dans le truc, C'est que. vrai. C'est vrai. Voilà, et puis, bon, il essaye de rafistoler son poulain. Et Voilà. lui dit, donne-moi ton bras, je vais te faire une attelle. Voilà, il essaye de le rebooster parce qu'il pense que Et son moral est à zéro. après, il le voit pleurer. Il le voit pleurer, ce qui n'est pas courant. Hein, voir Bakugo pleurer. Alors là, son ego. Il a vraiment été mis en miettes. C'est ce qu'il croit. Voilà. C'est ce qu'il croit. Il n'a pas totalement tort. Ça Oui, l'a mais. touché, Non, mais normal, parce qu'il doit se ce dire, qu'on lui putain, a non, mais dit. c'est bah, normal, de toute façon, il s'en est rendu compte déjà qu'il n'était pas capable de faire face. Puis. Voilà. Parce que c'est ça aussi qui l'atteint beaucoup. Voilà. Et donc après, il voit qu'en fait, que Bakugo est toujours en train d'analyser le Voilà, combat. il analyse le combat, Et quoi. il dit à droite, machin et tout. Il est en train d'analyser les déplacements en fait de C'est ça. Shigaraki ou sa façon d'utiliser sa force. Je sais pas vraiment comment il analyse le truc, mais Et il voit bien le truc. il est en train de préparer une tactique de combat. Ouais. Voilà, clairement, à un moment donné, il va faire un truc clutch, on le sait, c'est C'est évident. ça, c'est ça. Il a pas dit son dernier mot. Voilà. My goat. Et du coup, le dernier chapitre, le 361. Alors on Voilà. voit le petit Shigaraki, Petit Tenko Shimura. le petit Tenko Shimura, là, qui est Qui a là. entendu la phrase Tu n'as pas d'amis? Là, c'est même pas vrai Voilà. d'abord. Et j'ai des amis, j'en ai des amis. Et du coup, il parle des profondeurs de son corps, en C'est fait. ça, c'est ça. Oui, il parle des petits qui ont été sympas avec lui en primaire ou à la maternelle, quoi. C'est ça. Et du coup, Mirio est surpris. Oui, bah parce qu'il s'attendait pas à ça. Non, il s'attendait pas à ça. Voilà, bon, c'est une petite phrase comme ça, il se dit, bon, il va pas être touché après toutes les conneries qu'il raconte depuis tout à l'heure. Et bah non. Il a pété un plomb comme un gamin à qui vraiment tu dis, ouais, t'as pas d'amis, donc. C'est ça. Alors du coup, Mirio, il dit, ah, putain, je m'en veux Ah limite bah là, ouais, non, mais parce que là. là, apparemment, j'ai touché un sujet sensible, Ouais, quoi. non, là, c'est trop. C'est ça quand t'es là en train de clasher quelqu'un et puis finalement la personne elle prend mal, mais en mode, ah bah merde. Là, tu sais plus où te mettre. Ouais. Et du coup, on voit All for One qui réfléchit et qui dit, putain, j'ai l'impression que là, on en est arrivé à un point où j'ai vraiment, aux limites, consumé l'esprit de Shigaraki. Ouais. Donc, il en reste presque plus rien. Mais là, en fait, celui qui a parlé, sans que j'arrive à contrôler, en fait, le corps de Shigaraki,
C'est Tenko Shimura, le petit Ouais. Tenko Shimura, qui est complètement contrôlé, on va dire, par l'esprit d'All For C'est One. Hein. ça. Voilà, c'est ça. Donc bon, ça laisse entrevoir une possibilité de rédemption, ça, Voilà, évidemment. enfin, rédemption, au moins Là, c'est un... que Izoku pourra l'atteindre, quoi. Voilà, ça, c'est un bail à la Obito qui se profile. Ah oui, la comparaison est Oui, valide. non, mais j'espère qu'elle sera meilleure quand La même. comparaison est valide. J'espère que l'exécution sera mieux. La motivation est meilleure, donc c'est bien. Motivation est meilleure, mais bon, quand même. Bref. Ouais, et puis bon, bah là, il a envie de terminer le truc rapidement. C'est bon, le combat a assez duré. Faut terminer le truc, quoi. C'est ça. Non, du coup, All for One dit, bon, j'ai mieux à faire que jouer avec toi, donc je vais terminer. Et puis bon, bah, on voit que là, le Big Three, du coup, prépare certainement une Voilà, bah technique. ils avaient préparé une technique Voilà. entre deux, quoi. C'est ça. Une tactique de combat qui va permettre de repousser l'ennemi, Voilà, en fait, voire de l'affaiblir. On voilà, verra, on le verra, but on c'était verra que si ça Mirio marche. et Neji fassent diversion pour Sun Eater, quoi. Voilà. C'est ça. Parce que Sun Eater, du coup, ça va vraiment être celui qui va être à l'offensive. C'est ça. Parce qu'en fait, on voit que pendant la préparation de la tactique, Mirio, il dit celui qui va devoir être à l'offensive, c'est celui dont le pouvoir n'a aucune limite. Et donc, c'est toi, Sun Eater. Ouais, en comparaison des deux, oui, c'est sûr. C'est ça. Parce que les autres, ils ont quand même leurs limites. Voilà, c'est ça. Mirio, Enfin, il a des limites en termes de c'est puissance, ça. vraiment. Et Nidhirai, elle a certainement des limites en termes d'utilisation de ses pouvoirs. Tu C'est sais, ça ça. doit être un truc un peu à la Choto, tu vois, ou Ouais, même à la Bakugo, tu c'est vois. ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si elle abuse de son pouvoir, il doit y avoir des répercussions. C'est ça. Puis là, on Donc a un petit voilà. flashback sous forme de Death Flag aussi, hein. Enfin, de Red Flag, là. Où elle a rencontré pour la première fois les deux autres, quoi. C'est genre la fille qui était toute seule de son côté, là, qu'on n'avait rien à faire des autres. Qui avait l'air plutôt froide. Voilà, c'est ça. Puis arrivée là, elle a complètement changé grâce à eux. Hein, parce que quand... maintenant, c'est la fille super lumineuse, super C'est ça, c'est solaire. ça, c'est ça. Voilà, bah Ouais. c'est, ça En se même temps, traduit comment là. tu veux ne pas être pote avec ce trou du cul, là, tu vois? Même les deux, ils sont cool, tu Ouais, vois. non, mais oui, bah, c'est un bon duo, tu Non, ils sont tranquilles. Mais c'est sûr que Mirio, tu rigoles, toi. Tu rigoles, c'est un bon gars. Normal, l'autre, il est, il sort, il fait pomper son cul à travers le buisson, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est qui ce trou du cul? T'es obligé de rigoler. Donc bon voilà et du Ouais, coup bon, bah bah là, ouais, finalement. ils balancent leur combinaison ultime Voilà, enfin, leur carte maîtresse, le méga hybride de Sun Eater, quoi. et voilà c'est ça Donc, alors, je sais pas combien de trucs il a consommé avant le combat final, mais là, il nous prépare une de ses énergies, enfin, une de ses attaques couplées en plus avec plus l'énergie énergie de de Nediré. Nijiri. Et non, là ça sent la dinguerie. Parce que je tiens à signaler que dans tout le marasme là, j'ai vu le crevette pistolet. Crevette pistolet, j'ai déjà vu cette bestiole. Non, ça c'est létal. L'autre, j'ai déjà vu cette bestiole dans les reportages. C'est une crevette qui tire des balles d'eau à partir de sa pince. Frérot, tu. C'est une bestiole qui est capable de faire bouillir de la flotte sous la flotte. Sérieux? Je te jure. Pas jamais vu. Bah j'avais vu ça, je sais plus, je crois que je me suis renseigné là-dessus à cause de. C'est quoi l'animé? Terraformer, je crois. Où il y avait une bestiole qui faisait pareil et puis le mec il avait enfin, assimilé ses capacités. Mais genre Ouais. c'est une bestiole qui est capable de jeter une balle. Une balle, naturellement, à partir de son corps. Donc rien que de voir ça, je me dis, tu vas lui balancer ça pile dans le front. Non, mais non. Bon, ça va pas, bon, ça va pas le dead, ça va pas le shot, mais ça va pas le kill, quoi. Mais bon, rien que quand j'ai vu crever le pistolet, j'étais hype. Bon, par contre, je vois un peu de tout et n'importe quoi, j'ai vu cacahuètes et tout ça, là. Bon, bref. Crabe araignée géant, je sais pas, bon, bref, en tout cas, tu vois la gueule de son bras, Écureuil volant géant. oh, super. Tu vois la gueule de son bras, on dirait un truc que All For One il est capable de créer, quoi. C'est ignoble. Ignoble. Enfin bon, en tout cas, c'est la combinaison ultime lancée contre le For One, Ouais. Ushigaraki. Comme vous voulez. Donc, bon, on verra ce que ça va donner dans le prochain chapitre. Mais bon, Ouais. là, voilà, c'était trois chapitres qui se synthétisaient assez rapidement, Ouais. en fin de Mais compte. trois chapitres au top comme d'hab. Ah oui, trois très bons chapitres, oui.
Mais c'était du combat, quoi. Ouais. Mais non, le level de dessin, encore une fois, est toujours au top. Ouais. Et en plus, j'ai vu que Horikoshi-sama était très malade en ce moment. Donc, je ah comprends ouais. toujours pas comment ça se fait qu'il est capable de balancer des trucs comme ça alors que le mec est malade. Non, parce que tu sais, dans les petits commentaires que les auteurs y mettent en début de magazine, ouais. en train de dire oh, en ce moment je suis pas bien, tout, il me faudrait du repos, mais il n'y a pas de problème, je continuerai quand même à balancer du lourd. Faut qu'ils se reposent, ouais. Les rythmes de leur truc là, c'est trop. Oh, mais ça tue les auteurs, non, bah, façon, putain. C'est trop. C'est qui encore j'ai vu qui est dead récemment, hein, c'était. L'auteur du Yu-Gi-Oh! qui était dead il y a pas longtemps, mais rien à voir, lui, il a fait de la plongée, c'était un truc bizarre. Mais il y a pas longtemps, c'est l'autre, là, l'auteur de Solo Leveling, qui est le manhwa le plus connu, là, tout simplement, mais qui est dead il y a pas longtemps, parce que ouais, les rythmes de parution que le mec il avait, le rythme de travail qu'il avait, c'était trop, tu vois, c'était trop. Donc maintenant, même si en plus le mec, le pire c'est que son manga il est terminé, il a même pas eu le temps de profiter de la fin du succès de son manga. Il est décédé. Donc non, Horikoshi-sama, hein, pareil pour Oda, le mec faut qu'il se repose, faut qu'il raccorde des gros plombs. Oda il est parti en vacances pendant un mois, donc c'est déjà ça, tu vois. Donc... Ouais. Mais c'est toujours pas assez. Et à côté de ça, il fait ça depuis plus de 20 ans. Donc bon, ouais, pour ça, je pense que vacances d'un mois, bon, d'accord. Ah ouais, pour ça, je pense que Horikoshi aussi doit dire, vas-y, c'est bon, je pense que j'aurais pas la forme pour tenir comme ça pendant 20 piges. C'est bon. Je termine mon manga maintenant, après je profite de mes thunes. Et c'est la chose à faire. C'est la chose à faire. Ou terminer quand tu peux. Correctement, bien sûr, mais... Bah ouais. Faut pas se buter. Enfin bon voilà, du coup les likes, les commentaires, balancez vos théories et on attend le prochain chapitre. Exactement. Allez, tchuss.